Voilà donc le moment tant attendu, c'est la finale aujourd'hui. Tout va se jouer, Franck, entre ces deux équipes. Oui, entre ces deux équipes, entre ces acteurs qui ambitionnent tous de remporter cette coupe. L'Espagne, l'équipe nationale, qui à l'image de ce club, bien sûr, aime jouer un jeu basé sur la technique avant tout. Mais la technique et surtout la mobilité, la disponibilité de ces joueurs. Quand l'Espagne joue bien, le porteur du ballon a toujours deux, trois solutions. Ensemble la composition de l'équipe. Et c'est donc un 4-5-1 classique que l'on retrouve dans cette formation. On découvre maintenant la composition d'équipe. Et ces joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. De ce match, on va retrouver deux grands joueurs, Fabregas face à Paul Pogba. Fabregas est un joueur dont on ne présente plus le niveau technique, un balle au pied, il est capable des plus beaux exploits. De son côté, Pogba est un joueur qui s'avère très précieux dans l'entrejeu, c'est se faufiler n'importe où. Et c'est l'Espagne qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Qui trouve le défenseur finalement. Dimitri Payet. Ouais, bien joué. Et déjà l'arbitre qui doit intervenir. Koscielny. Evra. La défense qui récupère. David Silva. Et deux joueurs à la lutte. Sergio Busquets. Et par-dessus pour David Silva. Oh, dans la boîte. Et le gardien qui est présent sur le centre. Dimitri Payet récupère ce ballon dans l'entrejeu. Jordi Alba. Andrés Iniesta. Antoine Griezmann. Oh oui, ça chauffe! Dimitri Payet. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Et ça s'ajoute à un tour de l'arbitre. Et c'est le jaune. Sur ce ballon. Matuidi.
Dimitri Payet. Antoine Griezmann, ah, la main sûre du gardien. Antoine Griezmann. Le centre dans la surface de réparation. Une bonne lecture du jeu hein, sur ce centre. Anthony Martial. Dimitri Payet. Ah oui, le centre. Allez, on écarte, loin devant. Sergio Busquets. Patrice Evra. Matuidi. Oui, joli 1-2. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Sagna. Il lève la tête, il centre. Ah, la parade du gardien. Mikel San José. Silva. Coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, bien joué cette talonnade. Paul Pogba. Matuidi. Oh, le tir. Eh oui, c'est dedans. C'est maître Franck, on le revoit. Ils font la différence sur une passe. Ouais, une passe millimétrée qui place le buteur dans les meilleures conditions. Le gardien est battu. On revoit ce but sous un autre angle. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Antoine Busquets, là qui se rend touche l'équipe de France qui va effectuer la mise en jeu. Raphaël Varane. Matuidi. Diarra. L'occasion peut-être avec cette frappe. Arrêt du gardien. Fabregas à la récupération. Andrés Iniesta. David Silva. Matuidi. Dimitri Payet. Ah, faute et coup franc bien placé. Donc un coup franc suite à ce tacle, peut-être trop appuyé aux yeux de l'arbitre. L'arbitre a pris la bonne décision, on voit que le joueur prend la jambe du porteur du ballon. On n'a pas pu contourner le mur. Du point. Dimitri Payet. Et Sergio Ramos pour essayer de reprendre ce ballon. Morata. Raphaël Varane. Evra. Dimitri Payet. Prend sa chance. Oh, le but! On
peut admirer une fois de plus tout le sang-froid et la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent hein, souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, ça paraît tout naturel. Et de but à rien, il domine les débats. De Busquets. Fabregas. Et voilà, mi-temps ici, déjà 2-0 au score. On avait peur avant cette finale qu'elle ne soit un petit peu fermée. Ce n'est pas le cas du tout. Hein, ah non, ah non, c'est important hein, qu'ils aient pu marquer en première période. Maintenant qu'ils mènent, ils forcent leurs adversaires à se découvrir. Et ça va forcément amener des situations de contre. La finale est bel et bien lancée. Et dans un instant, le coup d'envoi de la seconde période avec l'équipe de France qui mène au score. Sagna, on ne tente pas. Morata. Patrice Evra. Anthony Martial. Iniesta. Bon, bilan plutôt satisfaisant hein, pour lui dans cette première période. Sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon. Il a livré une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il faut gérer cet avantage à la marque. La touche sera pour la France. Antoine Griezmann. Koscielny. Antoine Pogba. Antoine Busquets. Le joueur a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Quel est son procès? Van Fran. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Lassana Diarra. Diarra. Van Pogba. David Silva. Lassana Diarra. Sagna. Antoine Griezmann. Antoine Pogba. Dimitri Payet. Il perd de ce ballon. Antoine Griezmann. Ouais, il est pour les bleus, cette touche. Raphaël Varane. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Dimitri Payet. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Il coxe ce ballon. Et le tir, excellent plongeon du gardien sur cette action. Ah, c'est encore un corner en plus. Et c'est encore un corner. Ah, les joueurs qui tiennent le bambou dans ce match, les supporters l'ont bien senti. Et du coup, ils se sont mis à chanter de plus belle. Et ça donne une belle ambiance, vraiment. Hey,
le point. Il va pouvoir centrer. Diarra. Ouais, joli tir. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Et il va prendre finalement corner. Lassana Diarra. Ballon bien négocié par le gardien. Et ce sera finalement un nouveau corner. Lassana Diarra. Eh ouais, le ballon qui circule bien. Antoine Griezmann. Ah, il n'a pas très bien donné son ballon. Et les défenseurs avaient bien senti le coup. Quel centre français. Sergio Ramos. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque, il en a besoin. Le visage de cette équipe n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était tout à l'heure. L'entraîneur demande l'attaque à tout va. Sergio Busquets. Oh, superbe intervention du gardien, petit exploit là. Et c'est capté sans problème par le gardien. Ballon qui sort en touche, l'équipe de France qui va effectuer la mise en jeu. Patrice Evra. Diarra. Oh, il se trouve bien. Fran. Paul Pogba. Donc sa chance. Oh, et le but! Le but pour l'équipe de France! Ouais, c'est son deuxième but! C'est son deuxième but, il va peut-être en marquer un troisième, pourquoi pas. Trois buts à zéro, ils prennent le large. Michael San José, deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncés. Tourner en attendant l'ouverture. Oh, le ballon peut être repris. Antoine Griezmann. Allez, bien s'appliquer sur le centre. Et voilà, c'est terminé sur cette victoire finale. Ils peuvent laisser éclater leur joie. Eh bien oui, hein, ils méritent totalement cette victoire. On les a vus monter en puissance pendant toute la compétition. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense pour eux. Bravo messieurs. Regardez la joie sur le visage des joueurs. Ils ne réalisent pas encore forcément, mais ils viennent de décrocher le titre suprême. Ah, c'est vrai qu'il est encore trop tôt pour réaliser, surtout pour les joueurs. La récompense est magnifique. C'est vraiment la victoire de tout un collectif dans ce championnat du monde. On est avant tout content pour eux.